l'indépendance de l'homme, ça dépend de ses parents et de lui-même. On ne peut pas réussir comme ça, il n'y a pas de miracle. Et encore, c'est ce qui me plaît, vous êtes jeune, le conseil que je vous donne. Il ne faut jamais dire, par exemple, ce que vous faites là. On ne vous empêche pas de faire autre chose. Vous pouvez encore créer beaucoup de choses, faire des choses utiles pour vous et pour votre avenir. On ne pas dire, voilà, moi si c'est comme ça, je dois rester comme ça. Non. On n'empêche personne à progresser dans la vie, avec l'évolution du temps. Moi, quand j'étais apprenti, j'avais que 1950 francs de solde. C'était le SMIC en son temps. Alors, mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'allais faire avec une pension de 50 000 francs? Il ne faut pas croiser les bras et dire, voilà, maintenant, là où je suis là, je vais rester stationnaire. Non! Vous pouvez être comme une pirogue qui a passé sur l'eau et l'autre a fait le referme. Vous savez, le collège technique de Banfora, paysan noir, c'est moi qui l'ai créé. Bon, ferme agricole paysan noir, c'est moi qui l'ai créé. La boulangerie paysan noir, j'ai fait ça. Le transport paysan noir, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait la photo. Volta photo, c'est bon. Voyez-vous, j'ai fait le réchappage des pneumatiques. Et le voltage, tout ça là, je remercie tous ceux qui m'ont aidé à être ce que je suis. L'homme n'est rien sans les autres. Ça, c'est grâce à tous mes collaborateurs. Et je dis merci à tout le monde. Moi, j'ai mis un enfant au monde. Je suis son papa. Je suis son bon Dieu pour le moment. Bon, il faut que je l'aide pour son avenir. Comme mes parents m'ont aidé aussi pour être là où je suis. Alors, mais si un enfant est là, vous constatez qu'il ne fait pas quelque chose de sérieux pour son avenir, il faut lui dire non. Il faut changer. Il faut l'enlever de là. Je vous parle de là. Parce que si vous avez un enfant, l'éducation que vous lui donnez, il va aller avec ça. Il va grandir avec ça. Et quand il grandit maintenant, vous ne pouvez plus rien faire. Lui aussi, il tombe dans un piège où il ne peut plus s'en sortir. Et vous dites non, qu'il ne vaut rien. Non, il faut se poser la question. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour lui, pour qu'il arrive à s'en sortir? C'est important dans la vie d'un homme.